Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Starvieux, j'espère que vous êtes tous très bien les amis, moi ça va super bien. On est parti pour une nouvelle vidéo les amis, avec Borom du coup sur ma ferme, sur les éleveurs français. Comme vous kiffez, encore une fois ça fait trop plaisir, merci à vous. N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu et on est parti juste après l'intro. Donc les amis, j'espère que vous êtes tous très bien, moi ça va super bien. Pour cette vidéo je suis accompagné de Dylan, de Zero, de Borom et de Gifit. Salut. Salut. Salut à toi, salut à tous. Et de Ced. Et bien bonjour les amis. Non, Ced n'est pas là, Ced n'est pas les amis. Il n'a pas pu venir, enfin, il est en retard, donc voilà. Du coup, bah, écoutez, une nouvelle vidéo. Alors attends, en gros, du coup, Dylan a une nouvelle ferme déjà pour commencer. Ouais. Donc là, on est du coup dans la ferme de Dylan, les amis. Et ben voilà, il s'est du coup installé dans la ferme jaune qui était tout. Enfin, ouais, jaune, ça. Non, verte, pardon. Verte. Ferme verte, donc en gros, ce qui fait qu'il y a Gifit en haut. Nous, on est là. Nous, on est là. Et du coup, ben, Dylan est là avec, avec Nico. Donc du coup, Dylan fait aussi une vidéo sur sa chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Dylan. Allez, du coup, on est parti. Donc les amis, du coup on est parti, je suis donc avec Borom, comment ça va? Bah ça va très bien et toi? Bah écoute nickel, première vidéo avec toi, parce que du coup Borom a rejoint ma team etc. Il a rejoint du coup ma ferme sur les éleveurs français. Donc du coup voilà, petite vidéo avec moi. Bah écoutez, du coup, alors les amis, on a le prix de la rubanée qui a... Oh, bah, d'ailleurs il y a une vache qui transperce la botte, nickel, bon c'est pas grave. Et en gros le prix de la rubanée est monté extrêmement haut. Enfin je pense qu'il montera pas plus haut ou alors pendant la nuit mais... Non, ok bon nickel. Il est à 473€, donc c'est vraiment super bien. Alors que eux, leur truc à eux dans la ferme de Gifit c'est 286, donc ouais nickel. Donc ce qu'on va faire, on va vendre la rubanée. Ce que tu peux faire Borom, c'est que tu peux commencer à faucher. Faucher le pré de, bah, du coup des vaches ouais, ici. Vache. Et moi juste avant ce que je vais faire les gars, c'est que bah, je vais aller chercher du coup la moissonneuse chez Dylan. Parce que du coup Dylan a ma moissonneuse, parce que du coup en gros si vous savez pas, on est censé du coup lui vendre du coup pour 130 000€. On va y aller à pied, hein, ça sera plus facile. On est censé, en gros, on est censé lui vendre pour 130 000€, barre de coupe et tout offert. Mais en échange, du coup, il nous permet de faucher son champ ici. Donc après, ça nous fait pas mal d'herbes. Alors, Dylan, c'est comment, regarde comment il s'est installé. C'est ouf, les gars. C'est ouf. Dylan. Oui, ouais. Bonjour. Ouais. Ça va? Du coup, bah ça va, nickel. Bah du coup, oui, je voudrais récupérer ma moissonneuse si c'est possible. Ouais, et eh bah elle est là. Je te laisse le cueilleur, je prends juste ta barre de coupe. Ouais, bah ça m'arrange. Parce que okay. T'en as besoin pour longtemps, toi ou pas? Non, pas longtemps. J'ai qu'une parcelle de lumière pour l'instant. Donc okay, je te la prends et voilà. Et oui, pour ton prêt du coup, je pourrais venir le faucher après. Ah bah du coup si tu veux, il y a pas de souci. Par contre, il a pas été fertilisé hein, donc OK. Non, mais c'est pas grave. Voir, okay. Ça marche. Mais voilà, mais sinon tu peux, il y a aucun souci. Pas nickel, merci, c'est cool, ça va pouvoir. Ça marche, pas de souci. Faire de la rubanée. Allez go, à tout à l'heure du coup. À tout à l'heure. Allez, du coup, c'est parti, on reprend. On démarre. Bah du coup, je vais laisser le cueilleur là. Ouais, Borom, du coup, ça y est, j'ai récupéré oula. J'ai récupéré la moissonneuse. Ouais, on va pouvoir aller. Bah, si tu veux faucher le pré à vache, tu fais faucher à vache. Sinon, tu peux venir directement au pré où c'est qu'on est. Enfin, chez Dylan. Bah là, j'ai commencé le pré à vache donc. Ouais, ok. C'est nickel. On va vendre un rubané. Je vais poser du coup le cueilleur juste ici. En tout cas, bah, du coup, voilà. Merci à vous de kiffer ces vidéos sur cette chaîne. Parce que, en vrai, c'est les seules vidéos que je fais vraiment. Mais bon, voilà, c'est bien sympa. Puis voilà, maintenant ça est Borom, du coup on est là pour gagner. Non, je sais pas. Non, mais on va essayer de. Non, en vrai, c'est cool, du coup voilà les gars. Allez, en avant. Parce que mine de rien, le confinement est toujours là, donc pas le choix, on fait des vidéos. Oh, Borom, faut la réparer. Allez, la moisson, elle est claquée. Bah, du coup, c'est parti, on va aller du coup au champ, les amis. On va l'amener au champ. Alors, c'est le champ forcément qui est à l'autre bout de la map, alors on va mettre 6h30 à y aller. Mais ouais, c'est ce champ qui est là-bas. Il faut qu'on aille vendre. Alors, du coup, on va essayer de vendre la rubanée. Comme ça, je pense on peut monter à 90 000 voire même 100 000€, je pense. Hein. Ah ouais, largement même. Toutes les bottes qu'il y a, on a deux plateaux remplis pratiquement. Donc je pense on peut. Je sais pas. Large. Je sais pas. Ouais, tu penses? On avait dit plus ou moins 100 000, non, la fin dernière, il me semble. De quoi? Il me semble que durant le live pour les enrubanés, on avait dit qu'on allait atteindre plus ou moins 100 000€ de. Non, 100 000€ de vente. Si le prix était à 2 000€ de la botte, et là on est à 1 800 à peu près. En gros, on est à 1 900€ la botte, donc en gros, on va monter à, logiquement, d'après ce que j'ai calculé, on devrait arriver à 110 000-120 000€, voire plus même. Donc en vrai, ça sera bien. Ça sera bien parce que du coup, Dylan nous passerait du coup 130 000€ de la moissonneuse. Et après, Baron, il faudra en acheter une autre. Donc après, c'est ça le problème, c'est qu'il faut qu'on s'achète une machine qui remplace. Et je ne sais pas du tout quoi prendre. Il y avait des biens, il y avait des. Moi, je vais partir sur une case. Je sais pas si c'est bien. Ah oui, du coup, on s'est acheté le Fendt au passage. Enfin, alors du coup, oui, ceux qui ont pas vu, le Fendt, on a gagné dans le live de mercredi. Bon, je pense que beaucoup de gens l'ont vu. Grâce à Gifit qui m'a permis de. À la base, on devait faire le défi de bot. Sauf que du coup, Gifit est arrivé premier. Et le premier gagnait un tracteur de 100. Enfin, un tracteur dans la catégorie petit tracteur. Et le deuxième gagnait un champ. Sauf que Gifit a dit en fait, on a trop de tracteurs. Du coup, bah vas-y, prends mon tracteur et moi, je prends le champ. Du coup, on a fait bon, ok, nickel. Voilà. Ah, je croise Zero. Oh, il se met sur le côté. Ah, pour une fois, dès qu'on est en vidéo, il se met sur le côté. Oh, mais Zero, oui, alors du coup, oui, j'ai autorisé Zero, enfin l'équipe de Gifit, à aller vendre en rubané.
chez moi vu que le prix est beaucoup plus élevé. Donc voilà, il faudra qu'on aille faire ça. Ah mais oh, mec, j'ai encore un autre pré ici qui est... Oh mais les gars, on a encore un... Alors, on a un bout de champ et un bout de pré. Et il y a un peu de soja. En fait, j'ai semé le champ un petit peu d'herbe et de soja. Oui, c'est... Et tous les autres aussi, le tout grand. Et le tout grand n'est pas semé encore, hein. Faut qu'on aille le semer. Donc ouais, le gros, le c'est lequel? Le 127 n'est pas encore semé. Ouais, mais le 13. Attends, je vais aller le réparer. Le 13. Le 13, il est mûr? Ah, je sais pas, mais. Non, c'est non, bien, il est pas mûr. Normalement, il faut juste. Non, il est pas mûr. Attends, déjà, on va réparer la moissonneuse, déjà au passage. Logiquement, c'est là. Attendez, non. Alors, barre de coupe, non. Hop. Là, on devrait pouvoir la réparer. Si tout se passe. Hey, tout se passe bien. Ok. Alors, réparer pour 156 euros, oui. Bah, au pire, tu sais quoi, je vais laisser le plateau de barre de coupe ici. Et je vais aller directement, hein, flemme de la rateler. Attention, Dylan, je passe. Ah, attends. Oui, c'est bon. En plus, Dylan, il est en vidéo, les gars. Du coup, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, c'est AF16, si je me trompe pas. Donc, ouais, voilà. Ça. Allez, let's go. Attends, je passe. On va aller faire tout ça. Et du coup, le champ à côté, il y a de la chaux. Mais du coup, j'ai voulu passer un coup de pulvée. Parce que là dans. Je crois qu'il y a quoi là? Là, il y a de l'engrais dans le champ d'herbe. Il y avait de la chaux. Donc, logiquement, le champ devrait être au maximum. Et il devrait produire un max. Allez, let's go. Et ce champ là, du coup, il est fertilisé à 100%. Et mauvaise herbe à 0, je crois. Donc, aussi, il devrait pas mal produire. Pour un baisse-toi, le barre de coupe. Baisse-toi. Ah, voilà. Enfin, on va commencer comme ça. On va mettre forcément. Vous connaissez avec moi, hein, l'ouvrier qui fait plaisir. Et on va être parti. Voilà. On sera en rade à paille aussi. Bon, alors, ce qu'on fera, c'est que mercredi, si on est en live, on achètera un nouvel andainer. Hein, parce qu'on a un andainer un peu petit, je trouve. Le Renault a dégagé, du coup. Et du coup, forcément, il va y avoir un nouveau tracteur qui va arriver. Mais du coup, quand, je ne sais pas. Faudra voir. Attends, on va juste mettre en route. Il faudra apporter une benne. Attends, je suis déjà à 10%, mec. Oh, mec, ce champ, il va produire. Hein. Oh, ouais. Ce champ va produire, je pense. Eh ben, écoute, nickel. C'est quoi qu'on fait? C'est du blé. C'est du blé, ouais. Du coup, lui, je vais le ramener, vu que le champ est mûr. Je ramène du coup l'épandeur à engrais. On va accrocher le plateau. On vend tout l'enrubanné. Et après, bon, on attaque forcément. On attaque les champs. Du coup, il va falloir endainer et tout. Alors, on pourrait auto-charger. Enfin, on avait déjà fait ça. Parce que du coup, dans le live de mercredi, on avait. On avait une auto-chargeuse. Du coup, on avait auto-chargé le quoi? On avait auto-chargé l'arbre qui était chez Dylan. Et ouais. Du coup, on l'a évité dans l'ensilage, ce qui faisait que du coup, on a de l'ensilage sans ensileuse. Et ça, c'est bien parce que du coup, ce qui veut dire que je pense qu'en live, on refera d'autochargeage d'herbe, je pense. Et on complétera, on fera genre peut-être 3, 4 ou 5 autochargeuses pour que le silo ensilage soit bien rempli. Comme ça, on le fermente et bah, comme ça, ça nous fera de l'ensilage alors qu'on a eu que de l'herbe. Et ça, c'est pas mal. Donc voilà. Moi, je suis chez Dylan, il y en a un petit peu. T'es chez Dylan? Ah, t'as fini déjà? Oui, d'accord. Ouais. Ok. Du coup, l'engrais, on va poser ça. Je vais déjà vendre les bottes, après bah, j'attaque tout le reste, hein, épandeur et tout ce qui. Enfin, épandeur. Andainer. Mais en fait, c'est vrai qu'il est petit en andainer, les gars. Je pense que vous me direz en commentaire lequel on prend. En fait, il faudra en trouver en mode qui soit bah, plus de 2 toupies, mais pas cher quoi. Genre vraiment un gros, mais qui soit pas cher. Donc, s'il y en a qui en ont en mode, n'hésitez pas. Et du coup, pour vous expliquer, actuellement il n'y a pas de défi. Hein. Donc, les défis ont été. Il n'y a pas de défi simplement. Donc, il faudra qu'on en trouve d'autres peut-être, ou alors pour l'instant on est un peu plus calme. Mais c'est vrai qu'avec, c'est pas mal les défis, moi je trouve que c'est sympa. Ça fait un peu plus d'ambiance et on se dit allez go. Ah, il y aura des cartons de poules à les vendre, non? Il y en a pas mal par terre d'ailleurs. Beaucoup, ouais. Il y en a oui, pas mal. Effectivement. Ouais. Attendez. Bon, pire, attends, je vais les décharger. C'est pas grave. Il ira les vendre après. Allez, du coup, c'est parti. On va vendre les enrubanés là. Ouais, c'est pas. Je le fais là. Je le fais, mec. Bon, les gars, l'argent va monter. Ce qui va pouvoir dire qu'on va, on va regarder ce que l'argent qu'on a du coup à la fin pour pouvoir s'acheter. Pour pouvoir s'acheter notre nouvelle moissonneuse. On sait pas du tout quoi, les amis. Allez go. Non, attends, c'est quoi? Ah non, attends, du coup c'est sélectionné, attends. Xbox, module, palette, square ball. Voilà, allez, on charge tout. Donc ça nous fait 17 balles là. Et là, du coup, 24. Ok, bon, Dylan, Borom, tu penses en fait combien? Tu penses en fait combien? Un plateau de 24 bots. Je sais pas, les gars, je sais pas. Borom, si on fait plus de 40 000 euros, je veux des GG dans le chat partout. Partout. Il y aura, que le il y aura chat plus de 40 000. Tu penses? Je pense. Oh, ouais. 45 000. Juste pour c'est un trop des deux bien. Plateaux. Oh, mec, c'est trop bien. 45 000 c'est le plateau. C'est pour 17 balles ça ou c'est pour tout? Non, c'est pour le max. 20, plus de 20. Par contre, là, du coup, l'autre, il sera. On va peut-être gagner que 35, je pense. Enfin, que 35. 35 000, ouais. Que 35 000. Et même, c'est pas mal. Hein. Et attends, je vais le décaler. Et attention, du coup. Wouh. Et celui-là. 34. Bon, ça va. 34, 35, c'est pratiquement pareil. Ouais, c'est trop bien, bon, les gars, je suis trop bien. Est-ce qu'on a du lait à vendre? Bah, ça, si on a un peu de lait, pourquoi pas. On va les vendre vieux. Parce que normalement, nos animaux sont au maximum. Les vaches produisent 100%, elles sont un petit peu sales mais ça va. Les poules c'est nickel. Et bah, au pire est-ce que j'irai pas vendre les poules pour l'instant? Les cartons de poules. On peut essayer d'aller vendre hein.
Ça va être épisode 20, hein, où je t'aide à faire un enrubanné. C'est toi qui vois, tu me dis. Bah, je sais pas moi. Je bah là, je suis en train de faucher. Donc, ouais, au pire, on vendra les cartons. On vendra les cartons plus tard. Bon, ouais, alors du coup, Andener. Andener press et let's go, les amis. Est-ce qu'on a du foin par contre? Et du coup, on a plus de foin, il me semble. Si, on en a encore un peu, mais pas beaucoup. Ouais, enfin, quand on en refera. Bah, en live, on refera du foin. Parce que logiquement, le prix à vache, c'est pas trop un prêt pour faucher. Mais bon, voilà, ça fait plaisir, c'est plutôt sympa. Ce qu'on fera à la fin de la vidéo, c'est que je pense on. What? Je vois des roues là-bas. Ah non, c'est un pivot. On voit un pivot au fond. Donc, ce qu'on fera à la fin de la vidéo, c'est qu'on achètera. Non, pas achètera, on ira pulvériser les mauvaises herbes dans le champ à côté là. Et du coup, bah, je pense, Borom, tu me suivras avec les pendeurs à engrais. Comme ça fera tout à 100%. Et ça sera nickel. Ouais, ouais. Par contre, ouais. Voir la moissonneuse si elle est pleine. Je sais pas, elle doit faire sa vie la moissonneuse. Bon, je suis fluide. Hein. Oh, je suis trop fluide, les gars. Je suis content. Du coup, dites-moi ce que vous faites de beau dans votre vie. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais, Borom d'ailleurs? Rien. De quoi? De la journée? Bon, oh, bah, pas ouais. Grand-chose. Hein. Pas ouais. Grand-chose, hein, je t'avoue. Non, que... bah ouais. D'ailleurs, j'espère que le vlog du coup de jeudi vous aura plu, les amis. Enfin, du coup de vendredi vous aura plu. Parce que par contre, j'ai passé tellement longtemps à faire le montage. Beaucoup de gens l'ont. D'ailleurs, tu l'as vu ou pas, Borom, le vlog? Ouais, je l'ai vu. Ouais. Ah, d'ailleurs, t'en as pensé quoi? Ah, elle était cool. Ouais. C'était sympa. Bah, j'ai essayé de faire. Enfin, c'est passé vite, je me suis pas ennuyé. Ah ouais? Franchement, c'est cool. Ouais, clairement. Ouais. Mais c'est vrai, c'est ça que le pire. C'est le pire, c'est que j'aime pas quand les gens s'ennuient. Ça, c'est pas possible. Même en vidéo, c'est pour ça qu'à chaque fois, je change d'activité parce que je me dis, les gens, voilà, non. C'est chiant. Donc voilà, du coup j'ai fait un vlog. Du coup, bah, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Et même s'il y a des choses peut-être à changer, je sais pas, parce que peut-être il y a des choses que j'ai mal fait. Ou bon, malheureusement, je sais, la qualité était pas folle dans les bâtiments. Hein. Ça, c'est pas ma faute. Hein. Il faisait sombre et voilà, quand il fait sombre, bah la qualité est dégueu. Donc voilà, voilà pourquoi je vais m'acheter un objectif photo qui vaut 900 balles, même plus de 900 balles. C'est pour qu'en faible luminosité, on y voit très bien. Mais voilà, ça vaut cher. Donc faites des dons. Non, je rigole. Mais voilà. Mais voilà, voilà. Et du coup, ici, si, attends, aussi, grosse nouvelle. À ce qui paraît, du coup, il n'y a pas d'examen. Enfin, examen, du coup, le contrôle continue. Donc, ça veut dire que là, ceux qui ont rien glandé pendant l'année, vous êtes dans la merde. Vous êtes dans la merde. Par contre, ceux qui ont travaillé, c'est pas mal. Mais. Quoi, du coup, c'est comment? Ah, du coup, c'est, ils reprennent. Toi, t'es en Belgique, c'est vrai, c'est pas pareil. Mais. Ouais. En France, c'est en gros. Bah, t'as eu. Je crois, si t'as entre 8,5 et 9 de moyenne, t'es automatiquement au rattrapage. Genre, ouais. T'as droit à revenir au lycée pour faire des euros de rattrapage ou un truc comme ça. Et après, si t'as plus de 10, j'imagine que tu l'as, hein, je pense, un truc comme ça. Ah, ou alors, pas forcément, il y a peut-être des points à revoir, mais en gros, là, c'est comme ça. Bah, si vous savez, dites-moi en commentaire, parce que je suis plus en cours, donc je ne peux pas trop savoir. Mais voilà, du coup, bah, je sais. En vrai, du coup, ma soeur, en vrai, genre, ma soeur est en BTS, mais en gros, c'est pareil aussi pour elle. Genre, elle pensait qu'elle allait devoir bosser et tout pour avoir le bac. Au final, elle a 15 de moyenne, du coup, bon. C'est bon, tranquille, elle est là. Tranquille. Du coup, voilà. Ouais, tranquille. Donc voilà. Bah, du coup, dès que je finis en DNA, je vais aller. T'as fini de faucher? Il me reste un aller-retour là chez. Ok, chez comme ça, tu prendras la presse, tu pourras commencer à presser. Et moi, il faudra que j'aille juste checker, voir la moissonneuse, c'est quelle année quand même. On va aller voir ça. Par contre, du coup, on a 127 000 euros et ça, c'est bien. Attends, ça fait combien? 127 000 plus 125. Ça fait combien? 250 000. On a. Ouais, environ, c'est ça. En ouais, gros. C'est ça. Un peu plus de 200. Ah ouais, mais ça va. On aura 250 000. Ouais, mais pour la lection, elle coûte 300 000 hein, si on voulait. Ouais, mais après, attends, mais après, il y a les récoltes. Donc nos chambres vont refaire la récolte. Ouais, et puis là, du coup, ce qu'on fait là, là, on est en train d'en faire encore des bottes. Hein. Donc là, c'est 310 000, ouais. Ouais, ouais, 310 000 ouais, ça, élections. Ouais. Attends, regarde laquelle c'est. Juste la lection. Attendez, les gars. Bon, ça, c'est un peu cher. Ah, sinon, il y a la Rollstyle Match. Mais ouais. Ouais, en vrai, la Rollstyle Match, elle est sympa. Mais je sais pas si t'aimes. Alors. Bah ouais, c'est soit... bah en vrai celle-là elle serait sympa, moi j'aimerais bien la petite lection, elle est belle, je la trouve super stylée. Tu peux me la mettre à des petites décorations, vous la voyez pas, mais voilà, c'est bien sympa. Sinon bon ça non, ah il y a la Activa, pas Activia. Il y a Activa, bon c'est la Lavarda quoi, une Massée pardon, une Massée ouais, avec le pack combat agricole. Bon celle-là non, mais qu'on va l'acheter dans les trois fermes. Bah du coup dans les commentaires dites-moi, soit on prend classe, soit Massée, bah voilà, soit Rollstyle Match. Pas JD parce que bon, pas JD. Mais voilà, du coup, dites-moi. Et donc, du coup, si on prend une classe, ça serait genre classe quoi? Jifit, avec Jifit est venu vendre ses bottes d'ailleurs. Allez, bravo Jifit, ça vend des bottes chez nous. Ah, c'est bon, j'ai autorisé. Je me suis dit, allez, vas-y. Parce que ça aurait été moi, j'aurais fait, oh les bâtards, ils m'auraient pas autorisé. Donc, du coup, voilà, on a terminé de faire ça. Qu'est-ce qu'il fait là de beau? Je sais pas, il me regarde, il est sûr qu'il parle de moi dans la vidéo. Allez voir sa vidéo, il parle de moi, je suis sûr. Allez hop, on va ranger ça à l'abri. Borom qui rejoint. Oula, mais c'est qu'il y a du monde ici. C'est qu'il y a du monde. Attends, Jifit, laisse-moi passer. Il va dire, regardez-moi la manœuvre de Star, vous allez voir. Oh, il me klaxonne en plus, con.
Voilà, c'est rangé. Hop, voilà. Par contre, bah, ah bah attends. Non, je vais prendre. Il faut tester le feint, les gars. Le feint, faut qu'on le teste. Hein. Il est à nous. Regardez-moi ce feint, magnifique. J'ai jamais vu un traiteur si beau. Regardez-moi. Ah, par contre, il fait un peu la gueule, je vous avoue, parce que bon, le pulvé est un peu gros. C'est quand même 300, mais il fait quand même 180 chevaux, je crois. Oula. Aïe. Je crois qu'il fait quand même 180 chevaux le feint, donc c'est pas mal en vrai. C'est un petit tracteur bien sympa. Il manque juste les gyros. Il manque juste les gyros. Mais sinon, il est bien sympa. Alors, on va poser la masse. Enfin, non, pas la masse, on va poser le pulvé. Le pulvé, on va le ranger où t'es. Bravo, ça range des véhicules. Non, on va rentrer. Non, mais ah, si, par contre, si. On voulait s'acheter le semoir. Tu sais, le semoir qu'on a. On a acheté le truc normal, mais on n'a pas acheté le truc à maïs. Donc, c'est vrai que ça peut être pas mal d'acheter ça. Faudra voir si ça va. Bah écoutez, du coup, je vais l'apporter la benne à la moissonneuse, comme ça sera bon. Et après, on terminera par de l'épandage. Ouais, le petit feint. En vrai, j'aime bien le feint, moi j'aime bien. On l'a gagné, on va pas dire non. Bah, où la benne? Ah, elle est là-bas! Pardon, j'ai oublié la benne. Trop... En même temps, il y a trop de véhicules ici, c'est le bordel. C'est le bordel. On va ramener ça. Et pourtant, ce qui me fait peur, c'est que la moissonneuse m'a pas dit qu'elle était pleine. Donc, ça veut dire que soit il n'y a pas beaucoup de rendement, soit c'est bloqué. Attendez, je vais aller voir où c'est calé. Oh! 99, 100, mec, elle est pile pleine. Magnifique, voilà. Et en vrai, ça va. Alors après, la trémie fait que 8000, mais même, c'est trop bien. En vrai, si, elle aura bien produit. Ok, bah écoutez, du coup, let's go. Je vais aller apporter ça dans le champ avec ma magnifique masse. Je rappelle que du coup, tous mes mods sont sur mon site. Hein, si vous le voulez, c'est stervio.fr. Voilà, il y a tout dessus. Et voilà, let's go. Au passage, ceux qui ont vu sur Instagram, d'ailleurs, tu as vu Borom ma story Instagram avec mes deux logos là. Oui. Voilà, en gros, j'ai un designer qui est en train de me refaire mon design complet. Donc, logo, bannir, intro, outro. En live, il y aura des belles transitions. Enfin, tout sera super beau. Mais du coup, ouais, ça prend du temps. Et pour l'instant, oula. Et pour l'instant, c'est le logo. Et du coup, ce qui fait que il y avait deux propositions. Et du coup, bah, logiquement, quand la vidéo sort, bah, vous aurez plus les propositions. Mais dimanche en live, je vous l'ai montré, je pense. En live, soit. Enfin, à mon avis, là, le logo est sûr à 99% qu'on prendra celui-là. Donc voilà, vous me direz. Mais bon, ceux qui l'ont vu, dites-moi en commentaire si vous trouvez ça stylé. C'est un petit truc sympa. Ça ressemble un petit peu au mien, mais avec un petit peu style, genre avec de la paille sur les bords du logo, c'est stylé. Et ça reste un petit peu les bords arrondis. Genre, ça ressemble beaucoup à mon logo, mais pas trop quand même. Genre, parce que bon, mon logo c'est actuellement un petit peu Skype, vous voyez. Donc, Oui, puis t'as un concours aussi. Enfin, t'as un contour. Ouais, j'ai un petit contour autour, ouais. Mais là, du coup, voilà. Bref, vous me direz si vous kiffez. En tout cas, bah, il sera sur ma chaîne dès que tout le projet sera terminé. Donc d'ici peut-être 2-3 semaines, voire un peu plus, un mois peut-être, je sais pas. Parce que du coup c'est le confinement, mais bon, eux ils bossent vu que c'est une boîte, en même temps, enfin voilà, moi je suis chez moi, je fais des vidéos, donc c'est pareil. Donc voilà, allez vite tout ça. Tu veux que j'aille faire quoi là? Ben en rubané, hein. Attends, on a plus de JD? Attends, mais... Je suis occupé avec le JD. On avait le JD. Ah, il y a le massé. Ah mais je crois qu'on avait un case, non, j'ai rien dit. Bah du coup, faut aller en donner. Ah non, mais la rubaneuse. Bah écoutez, je vais aller la chercher chez eux, ou alors je vais aller les voir. Attends, je vais aller les voir s'ils en servent pas. Mais pour moi, ils en servent pas. S'ils en servent pas, attends, hop, on va monter en l'air. Et on est parti chez Gifit. Regardez-moi. Alors, du coup, ouais, ce champ-là, c'est un peu la cata. Alors, il y a un point au milieu parce que tout ça, c'est un point du coup que j'ai mis. Ah, faudra qu'on le laboure. C'est un point que j'ai mis avec le mode paysage. Je pensais que ça allait pousser, mais pas du tout. Ça, c'est notre champ à nous. Et du coup, chez Gifit, c'est par là. Je crois qu'ils n'ont pas besoin d'un rubaneuse. Ça moissonne. Là, tout est en rubané là. Ah, attends, c'est qui justement? Qui est cette personne? Attends, on va juste remettre le truc. Zéro. Attendez, bah du coup, deux secondes, les gars, on va aller voir Zéro. Qu'est-ce qu'il nous raconte de vous? Oui, bonjour. Ah, on se demandait qu'est-ce qu'il faisait là. Non, je vous demandais si la rubaneuse vous en sert. What? Qu'est-ce que c'était? Ah, j'ai même filmé. Non, est-ce que la rubaneuse vous en servait? Ben, on a fini, on peut te la. On va passer. Te la ramener, on est en train de la ramener. Ah, ok, ben nickel. Bah, ben, d'accord. Bon, voilà. Bon, on arrive parce que on arrive, je te la ramène. D'accord, et eh ben nickel, j'attends ça chez moi. Vas-y. Allez, on est reparti, les amis. Donc, du coup, il nous ramène dans la rubaneuse. C'est magnifique, hein. J'ai même pas besoin d'aller la chercher du coup. Comme ça, on va pouvoir rubaner pour la fin de cette vidéo. Et ce sera pas mal. Du coup, on est déjà à 24 minutes d'enregistrement. Je sais pas si la vidéo va durer longtemps. J'ai pas envie de faire des vidéos plus d'une heure non plus. Mais voilà, on aura fait quand même pas mal de choses dans cette vidéo. Ok. Et là, du coup, bah, on va attendre la rubaneuse. Et à la place, bah, au pire, ce que je vais faire en attendant, c'est que je vais récupérer le petit Massey Ferguson et on va les pulvériser. Au pire, on ira en rubaner plus tard. Hein. Du coup, bah, mercredi en live, on vendra les bottes, les gars. Donc, on essaiera de voir si le prix est bon ou pas. Je sais pas du tout. Alors, attends, il faut de l'engrais ou pas dans le champ? Je crois que c'est juste ce champ là qui manquait. C'est le 86, ouais. Alors, mauvaise herbe, ok. Il est fertilisé ou pas? Non, il manque des mauvaises herbes. Bah écoutez, du coup, on est parti pour pulvériser. J'espère qu'il n'y a pas de la protection des cultures parce que sinon, on est dans le caca. Par contre, il est.
Oula, t'as coupé. Je sais pas où je mets mes trucs. Ouais. Bon bah, du voilà, nickel. Bon, ça sera bon. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu en vrai, parce qu'on aura fait quand même pas mal de choses et on a beaucoup d'argent pour une fois. C'est vrai que peut-être c'est le fait d'être à Eborum, hein, je sais pas. Je sais pas si c'est ça, mais. Je ramène l'argent. Voilà, c'est ça. Attends. Herbicide B, c'est magnifique. On est parti. Par contre, j'ai pas de masse. Bon, de toute façon, le massé il tient l'affaire. Zero est là ou pas? Non, Zero n'est pas là. Bon, bah, Zero n'est pas là. C'est comme ça, c'est la vie. Et voilà, bon. On va voir ce que ça va raconter. Et dans tous les cas, je pense. Bon, en vrai, dans tous les cas, on va s'arrêter, hein, j'imagine. On va s'arrêter, les gars. Du coup, bon, on va aller voir la ferme de Gifit un petit peu, voir ce qu'il a fait un petit peu dans cette vidéo. Oui, ah voilà. Donc on voulait juste vendre nos balles dans Rubanais avant d'arrêter la vidéo, et ça y est, c'est fait. Ah bah oui, je vois ça. Du coup, vous êtes riche par contre, hein. 282 000 euros, vous avez, c'est énorme. Ah, il a regardé, il a été voir. Ah oui, j'ai quand même regardé, Bah, j'avoue que le dernier plateau là a fait 47 000 euros, donc c'est ouais, pas trop mal. Ouais, on a fait 45 000, ouais, 45 000. Ouais, ouais, mais c'est ça, ouais, avec un plateau, ouais, tu fais 45 000. Parce que nous, on a mis une botte en plus. On a mis une botte en plus qu'on a mis derrière, en fait, c'est pour ça. Ah ouais, d'accord. C'est pour ça. Ouais, mais c'est pas mal. Non, mais ouais, bah oui, merci qui. Parce que en vrai, je suis chez vous. Non, merci, mais en vrai, Stérito, merci. Stérito, n'importe quoi. Bon, ben voilà, du coup, je voulais juste voulais voir dans votre ferme s'il y avait des choses qui changeaient. Ben, on peut y aller si tu veux. Mais enfin, non, au final, il n'y a rien de.